inside out. And since you've been gone, allez, où Mila? Ah, regarde, je t'ai fait des raisins. Ça, c'est des bananes. Mmh. C'est des raisins. C'est bon? C'est bon. Ah, tu viens t'asseoir? Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve avec ma tête du matin, bien sûr. Alors, je viens de m'habiller. J'ai mis mes nouvelles chaussures. Je les surkiffe. Je les surkiffe. Et donc, les voici, les voilà. Je les trouve trop canon. Je les adore, vraiment. Je les aime beaucoup. Mila, elle est habillée tout en H&M, si je dis pas de bêtises. Le legging, ouais, c'est un H&M. Et ça, c'est un des derniers hauts que je lui avais acheté, mais je pense que je lui avais pas encore fait porter. Je le trouve juste canon. J'ai le même en gris. C'est trop drôle. Alex, il est parti en réunion avec un collègue à lui. Donc, je ne sais pas à quelle heure il rentre. J'aimerais bien passer ce soir... ma maman m'a dit qu'elle avait été faire un tour au Grand Prix, qu'elle avait vu des super chaussures pour Mila, mais je pense que je vous l'avais déjà dit. Et donc ma maman m'a dit qu'il y avait des trop belles chaussures qu'il fallait que j'aille voir pour Mila. Et j'aimerais bien y passer tout simplement fin d'après-midi, si Alex rentre pas trop tard. On verra bien, parce que le temps d'y aller, plus le fait qu'en Belgique ça ferme un peu plus tôt, je suis pas certaine qu'on aura le temps d'y aller, donc on verra bien, voilà. Je viens seulement d'ouvrir le cadeau d'anniversaire de l'arrière-grand-mère de Mila. Alors c'est ça, j'arrive pas à l'enlever parce qu'il faut, faut un tournevis et Alex le fera en rentrant parce que je sais pas où il y a un tournevis. Mais il est trop bien, il y a des démos. Et il y a un micro, c'est ça le plus important. C'est tout ce qu'on aura. Mila Bébichou est demandée à l'accueil. Mila Bébichou est demandée à l'accueil. Merci. Put your hands up. Put your fucking hands up. Mila. Alors j'ai pris ma bête. Je vais tenter de faire des photos à Mila avec sa nouvelle casquette. Je les mettrai sur Insta si j'arrive à lui faire des photos. Instagram c'est Mila Bébichou, je vous le rappelle. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vraiment que je fasse quelque chose à cette tête, hein. Et mes lèvres, ça redevient catastrophe. Ça s'était calmé, ça redevient catastrophe. Alors, il est 13h. Mila est déjà à la sieste depuis 10 minutes, voilà. Je lui donne pas à manger trop tard, je vous l'ai déjà expliqué, je pense. Mais en ce moment, elle se lève tôt, donc elle se lève vers 7h30. Donc je lui donne à manger vers 11h30 en fait. Donc le temps qu'elle mange, etc., qu'elle boive un petit peu d'eau et compagnie, bah voilà, le temps d'aller se coucher, bah il est 13h, 13h30. Et du coup là, je suis en train de ranger un peu mes affaires. Et j'ai toutes les petites choses que j'ai déjà mises de côté pour mon futur bureau. Alors je vous dis pas comment, j'ai trop hâte. Je sais déjà pile poil comment je vais organiser la pièce qui est là-bas et compagnie. Ça va juste être trop canon, j'ai trop hâte. Je vais avoir un énorme bureau, même deux places. Voilà, si un jour il y a une copine qui vient ou si Alex un jour veut venir bosser à côté de moi ou ce genre de choses, il y aura même deux places, enfin, vraiment ça va être super bien. Et du coup j'ai mis de côté, je dois ranger les dernières choses que j'ai accumulées pour mon bureau, je vous montre. Donc ça c'est le fameux paradise qui sera sur un des murs, donc c'est couleur cuivrée, j'appelle ça rose gold mais en fait ça c'est vraiment cuivré, rose gold c'est plutôt ça là, c'est plutôt rose. Ça c'est plutôt cuivré mais bon c'est le même genre. Donc ça, ça vient de chez Action. Ça c'est la marque Umbra. Ça, ça vient de chez Maison du Monde. Ça aussi, c'est des ours. Le cadre c'est la marque Umbra, j'adore. Je trouve juste trop canon. Les maisons viennent de chez Alinéa. Ça, ça vient de chez Maison du Monde aussi. Ça c'est Alinéa aussi. C'est un pot, enfin pour moi je m'en servirai comme pot à crayon. Et ça c'est une déco qui vient aussi de chez Maison du Monde. Voilà voilà. Donc vous voyez un petit peu le style que je vais donner à mon bureau. Ellie, toi. Ben alors, la pure soirée. On va chez le roi Merlin. Je vous explique pourquoi. Je vais chercher des toutes petites étagères. Il y a quelqu'un qui fait des photos là.
Je vais chercher des toutes petites étagères. Je vais vous montrer ce soir pourquoi faire, parce que franchement ça va être trop long à vous expliquer, ça va vous saouler. Donc vous verrez ce soir pourquoi faire. Il s'agit d'Instagram, voilà. Ça va bien. Bon, je viens de faire à manger, donc on est rentré, j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin. Je ferai ça après quand Mila sera couchée. Là, elle vient de manger à l'instant un énorme pot de pâtes. Mais elle veut quelque chose qui est dans mon assiette parce que ça lui rappelle le japonais. Bon, du coup, je vous montre. Ce soir, on mange asiatique. Donc, Mila me harcèle pour ça. Ce sont les brochettes, vous savez, les brochettes comme au japonais. Ça, c'est des ramen sauce teriyaki. Ça, c'est la sauce soja qui va avec ça. Et ça, c'est une soupe thaï à Alex. Voilà, voilà. C'est très bizarre. Aux fruits de mer, oui. Il faut aimer. Hein. C'est pas pour moi. On va dire ça comme ça. Alors, je vais vous expliquer maintenant ce que j'ai été chercher chez le Leroy Merlin aujourd'hui. J'ai un peu du mal avec mes c'est pas grave. Vous savez très bien que j'adore faire de la photo, hein, je pense que je le dis assez souvent et que vous l'avez remarqué de toute façon. Et ça fait assez longtemps que je n'ai plus posté de baby look, sachant que Mila c'est plus vraiment un bébé, mais bon, ce que j'appelle les baby looks, vous voyez les looks d'enfants, etc. sur Instagram, c'est quelque chose que je faisais énormément il y a un peu plus d'un an. Pour ceux qui me suivent sur Instagram depuis longtemps, ben vous le savez, je faisais ça avant. Et je n'en ai plus fait parce que je trouvais que mes baby looks étaient pas... voilà, je n'arrivais pas à faire les photos que je voulais à ce moment-là. Et j'ai eu une idée lumineuse, c'est pas vraiment une idée en fait, je suis tombée sur Pinterest et en cherchant des idées de look etc. sur Pinterest, j'ai vu des photos de chez Zara, il me semble que c'était Zara ou Bonton, je sais plus, enfin soit une de ces deux marques, et ils avaient des espèces de fonds avec des petites planches pour présenter le vêtement, etc. Alors je suis sûre que la moitié des personnes qui me regardent et qui m'écoutent en ce moment ne comprennent absolument pas de quoi je parle. Mais vous verrez prochainement, pour ceux qui me suivent sur Instagram, donc c'est Mila Babychou, vous verrez un petit peu quelles photos je fais avec ça. Et du coup j'avais besoin de petites étagères, etc. Enfin j'avais besoin de plusieurs matériaux pour faire mon fond de photo pour les vêtements, voilà, pour faire des baby looks, parce que j'aime ça, j'aime faire des photos de vêtements, c'est comme ça, c'est bizarre mais c'est comme ça. Du coup j'avais besoin d'une planche, on en avait une ancienne, hop elle est là, ça fera l'affaire. J'avais besoin de papier peint, bon j'en avais déjà un ou deux super jolis, mais je suis tombée sur celui-ci chez Leroy Merlin en fait, qui est super joli, donc je vais utiliser celui-ci. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je zozote, j'ai vraiment beaucoup de mal de parler. J'avais besoin de ça, mais bon ça j'en avais aussi, donc c'est de la colle à papier peint. Je vais coller donc mon papier peint sur cette planche. J'avais aussi besoin d'une petite étagère qui est là-bas, qu'Alex me mettra à mon avis demain, parce qu'aujourd'hui le temps que ça sèche etc, enfin, on verra bien si on a le temps ou pas. Et j'avais aussi besoin de deux petites patères pour faire tenir les cintres quand je présente un vêtement sur la planche. Donc si vous ne comprenez pas de quoi je parle, venez d'ici je dirais 3 jours sur mon Instagram, vous verrez des baby looks sur une planche, et ce sera la planche que je suis en train de préparer maintenant. Et ça c'est les petites patères que j'ai. Oh mais c'est pas vrai, j'ai vraiment pas de bol. J'en ai acheté une, il manque un diamant. J'ai pas regardé, je l'ai prise dans le tas comme ça. La loose. J'espère qu'il y a que la strass est dedans, je vais pouvoir la recoller. Bon bref. Et j'ai acheté celle-ci qui est toute simple. Voilà voilà. Et pendant que je vais faire mon bricolage, eh bien Alex va s'occuper du lavage de baby chat, baby chou. Enfin Mila baby chou, vous m'avez compris. Alex vient de mettre Mila au dodo et là on est en train de préparer les affaires pour demain. Parce que demain on va au... On va voir les vaches. Ouais, on va surtout voir des pommes. Hein. Oui, des légumes.
On va voir les carottes. Donc voilà, on va au salon de l'agriculture en fait, parce qu'on a été invité par Pink Lady et bien pour visiter leur stand, etc. Voir un petit peu comment... l'évolution des pommes, etc. avec Pink Lady. Et du coup, on va faire un petit tour sur le salon parce que j'ai absolument jamais été dans ce genre de truc de ma vie. Donc voilà, on verra bien ce qu'il en est. Moi, j'en ai aucune idée. Enfin, je sais pas trop, j'y suis jamais allée, donc on verra bien. De toute façon, je vais vous vlogger ça. Du coup, regardez-moi ça, le folklore pour partir. On dirait qu'on part en randonnée alpine, disons-le comme ça. Tellement il est équipé, Alex. Tout ce qu'il faut, ma chérie. Oh, ma chérie, c'était joli, ça. Tu veux que je t'appelle comment, Marcel? André? Ginette? Il y a tellement de poches dans ce sac qu'on pourrait chier dedans. Désolé pour les gros mots, vous connaissez. Hein. Ouais, c'est dans les visiteurs, surtout. Bon, du coup, moi, je vais vous laisser maintenant pour la simple et bonne raison que... Ouais, là, sinon, vous va coucher. Allez. Ouais, bah non, mais justement, regardez-moi ces petits yeux, hein, ces cernes surtout. Mmh. Et je dois seulement monter le vlog que j'ai filmé aujourd'hui, vu que demain, on part, à mon avis, du matin. Donc, je pourrais pas le monter demain. Voilà, il faut que je fasse maintenant, que je l'upload maintenant, que je fasse tout maintenant, pour que vous l'ayez correctement à 18h, comme d'habitude. Sur ce, eh bien, j'espère que ce petit vlog, il vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça vous prend 2 secondes et ça me fait tellement plaisir. Et je vous dis à demain pour un vlog bizarre, particulier, qu'on n'a jamais fait, en fait. Pour un vlog agricole. Pour un vlog agricole avec des pommes. J'allais oublier aussi, n'hésitez pas à aller voir le dernier vlog d'Alex. Il a partagé un vlog il y a 2 jours, si je dis pas de bêtises. Une nouvelle vidéo super chouette sur son nouveau joujou qui est le drone, bien sûr. Je vous mets la vidéo juste ici, donc n'hésitez pas à aller la voir.